Salut tout le monde, c'est Carlo Kams. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvel épisode sur Wolfenstein les amis, le jeu de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Et nous allons nous concentrer sur nous allons continuer notre let's play pardon. Donc voilà, alors par contre juste voilà, nous on prend ça, tranquille. Allez, on y va les amis, je crois que c'est par là. Oui, oui, parce que vous vous rappelez, tout à l'heure, dans le deuxième épisode, il y avait un avion là. Avec le canon, je l'ai pété et j'ai tué les mecs en même temps qui étaient là. Parce qu'il y avait, des mecs, hein, je vous jure, qu'il y avait pas mal de gens. Alors, je sais pas si le feu ça fait mal, non, ça a pas l'air. Voilà, il y avait des mecs, mais ils ont été réduits en bouillie. Tellement que je suis fort avec mon canon, ils ont rien pu faire. Oh là! Que va-t-il se passer? Oh, ma jambe! Ma jambe! Conculé! Mais il est con, lui! Tarpa mon gueule, ça! On a gagné les gars. Oh. Les gars, écoutez-moi bien. Notre petite mission suicide vient de se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Qui sort celui-là? Il vient d'où le mec? C'est il court la salle. Soldat Gates, au rapport. Bien, dévoué et fou allié, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. Une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Bosch. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon. Ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Je suis sûr qu'il va mourir. Il va se prendre une balle. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route, allez. Je sens que ça va venir mal, on y va les gars. Il va y avoir des morts bien sûr. Fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout. Allez. Bonne équipe, comme un père et son fils. Je sais pas où il va y avoir une couille, les gars. Capitaine Blazkowicz, Gatz, Benson, notre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Ok, tranquille les gars. Ça me plaît comme plan. Vous savez, sans vouloir vous mettre la pression, c'est sûrement notre dernière chance. Si on tue pas le boucher, tout est foutu. Allez, allez. Les gars, on monte plus vite! What the fuck? What the fuck? Coup! J'imagine même pas comment vous avez pu survivre à un truc pareil. Bien joué. Tout le monde va bien. Je suis sûr qu'il va mourir, lui, tu sais. Vous y êtes presque. Continuez comme ça. Ah,
l'ai pas vu venir. À quoi jouer, Blaskovic ? Rejoins le poste de commande. Mais merde, il est plus tout seul, comme d'habitude. Comme... Ok, on y va. Je sais pas ce que c'est, mais je l'active. Bon boulot, Blasco. La porte s'ouvre. On va pouvoir entrer. Ok, on y va. Non, voilà. Faut que je redescende apparemment. On y va, on descend, ouais. Continuez de monter. On vous rejoint là-haut. Faut pas déclencher l'arme, faut pas déclencher l'arme. Voilà. Attends des secondes. Mais pour ça je me parais en ligne, bon. Ah, attendez. Voilà c'est bon. Alors, oula c'est quoi? Ah j'ai amélioré mon pistolet, j'ai mis un silencieux, c'est pas mal. Toujours tout fouillé comme je vous ai dit. Oh. Plein d'allemands. Faut continuer de monter, faut pas descendre, faut monter. Alors je monte. Oh. Tarpin classe. Il a dit faut continuer à monter les gars, on y va. Attendez, il y a un truc. On est dans les temps. Faire le tour comme ça.
Il a failli. J'ai flippé, j'ai cru qu'il allait. Qu'il m'avait détecté en fait. Ok, on y va. Il est où? Là, il y en a un autre là-bas. Bon, ça, c'est un peu plus violent que ce que je pensais, hein. Je suis là. Capitaine Blazkowicz, on s'approche d'une sorte de cour. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va y arriver un truc. Il voit pas qu'il a mangé le truc du chien quand même. Y'a quoi que je peux ramasser là? Bon. Oh les gars, plus il tire et plus ça se casse. De toute façon, faut que je les nique parce que sinon ils vont me repérer si je redescends. Ou même s'il y a un USL là. Voilà. C'est chaud, c'est chaud. On a gagné! Moi je suis con, moi je me... On va juste reprendre de la vie, on arrive. Alors en fait, si on clique juste, si on clique juste en fait. Mais non. Mais si on clique juste, ça le met dessus. Et si on reste appuyé, ça l'enlève. Ok.
Bah voilà, ce que je cherche moi c'est ça, c'est de la vie, j'ai eu de la vie. Voilà! J'aurais pas fait mieux pour buter ces nazis. Beau travail, capitaine. Bon, on se dirige vers l'épave de l'avion. Blazkowicz, tu nous y rejoins. En route, mon gars. Mais il reste des balles, je vais pas les gaspiller, les gars! Bon, je les gaspille un peu. Pas trop, ça va, tranquille. Encore des gamins des rédatoires. J'ai vu ça trop souvent. Impossible de faire bouger cette poutre. On est coincé, Blazkowicz. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. On y va, on essaye. D'accord. Protestant. Je vais devoir sauter, les gars. Vous d'abord, Wyatt. Tu vas à la messe le dimanche? Quoi, vous avez pas d'église en Angleterre? Pas de prêtre? Ouais. Eh ben, bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Le Borg, le blondinet, à vous! On dirait un Allemand, lui. Est-ce que c'est un blond? Non, je rigole. J'allais dire un nazi plutôt, bon. À ton tour, Blazkowicz. Je te tiens. Non, tu me tiens pas. Aïe. Aïe. Ils sont tous en mode comme s'ils avaient couru, tu sais. Ça devient ridicule. J'ai les pieds cassés. Où est-ce qu'on est? Ah non, par contre c'est dégueulasse ça. Ah, y'a des cendres. Ah, y'a un paquet de cendres. Hey Wyatt, essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là, vite. C'est bien dégueulasse. Ah. Encore pire que les ce qu'ils faisaient en vrai, tu sais. Relié à ce boîtier de commande. Qu'est-ce que c'est? L'énorme accélérateur. Vous avez trouvé quoi, putain? Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte. Allez, vous allez. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez. On est foutu. Désolé, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce que je fais. Blazkowicz, trouve la clé. La clé, la clé, la clé, la clé. Allez vite, Blasco. Trouve la clé et mène pas d'ouvrir cette putain de porte. Merde, on est foutu. Mais la... Je l'ai trouvé, moi, ta clé. Dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Mais dépêche-toi. Viens là, on y va, vite! Ah! Je crois qu'on est mort, qu'il faut qu'on recommence. Bien joué, capitaine Blazkowicz! Dépêche-toi d'ouvrir cette porte! Viens.
Moi je veux bien, mais c'est un peu. Merde, mon bras! Qu'est-ce que c'est que ça? Blaskowitz, hé! Vous avez des. En position, les gars! Mais là, pourquoi y'a ces bois qui l'en veut? Ok, c'est moi qui le tire en premier dessus, mais bon. Tu meurs? Ah non, ça marche pas. On l'a eu. Ouf. Tout le monde respire encore? Affirmatif. Ouais, les presque. Les générateurs sont éteints. Vous voyez comment ouvrir la porte? J'ai vraiment pas envie de moisir ici. On peut pas l'ouvrir de ce côté. Attendez. Je crois que j'entendais pas, quelqu'un arrive. C'est pas vrai, c'est lui. C'est le bouquet. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi là? Je crois que le train. On va s'en sortir. Bon les gars, c'est la fin. C'est la guerre. Les gens meurent. Votre vie est pas plus précieuse que celle qu'on a trouvée. C'est tout ce qui compte. Le respect est une importance. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs? Des hommes morts au combat. Tellement d'hommes. J'ai perdu le compte. Oh, on est pas mort. Encore. C'est une langue morte. Vous? Vous me dites quelque chose? Vous me plaisez. Vous êtes un spécimen complexe. Je pourrais faire de vous un soldat formidable. J'aime beaucoup ses yeux, à celui-là. Ne le touchez pas, enfoiré! Mais j'aime bien les vôtres. Mais non, le boucher, je viens de comprendre pourquoi il l'appelle le boucher. Par les siens, ils sont déjà abîmés. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Capitaine Blaskowitz, aidez-moi à choisir. À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profiterait le plus à mes recherches? J'ai peu de place pour prélever des échantillons. Si vous refusez de répondre, je vais devoir les opérer l'un après l'autre, et nous y passerons la journée! Allez, un petit effort. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder la direction de ce que vous voulez que je dise. Oui. Un choix très astucieux. Un préservatif. Des échantillons plus frais. Désolé. Vous allez me sauver, pas vrai? Je sais que vous pouvez le faire. Hein? Le général Strass. Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à 1, inspire, compte jusqu'à 4, et...
Ah, je suis sûr avec son armure, il peut résister à ça. Oh, fudaisé. Oh, je veux le niquer, lui. Bon, désolé, ami. Allez. Je vais tenter un truc. Tu sauras quoi faire. Alors mon gars, il faut qu'on neutralise les injecteurs de l'incinérateur. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude les amis. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, je vous dis à très bientôt. Et tchuss tout le monde.